Bonjour à tous et bienvenue au Studio de Poche. Aujourd'hui, c'est Lightroom. Et aujourd'hui, encore une fois, on va développer une photo du DJI Phantom 4. Qui est un super jouet. Que j'aime bien. Et même si DJI m'a demandé d'en parler dans une vidéo, vous voyez que je me gêne pas pour en parler dans d'autres vidéos. Parce qu'il est vraiment cool. J'ai fait cette photo près de chez moi. C'est au nadir, au-dessus d'une forêt. Alors, le nadir, c'est l'inverse du zénith. Pour ceux qui, voilà, c'est le petit instant culture générale, le zénith, le nadir. Et donc ça, c'est fait au nadir, au-dessus d'une forêt, et j'aimais bien les couleurs, mais le fait est que sur la photo, c'est un peu pâle. Enfin, c'est toujours un peu pâle sur les photos. Qui n'a jamais fait une photo de coucher de soleil en se disant « Waouh, ça va faire une photo de ouf !» Et en fait, Donc il va falloir développer cette photo pour nous faire croire qu'on est au Canada. Et pour ce faire, on va commencer par alors les trucs de base. Alors, correction d'objectif photo, je le fais, mais je suis pas sûr qu'il le reconnaisse. Et je crois pas qu'il le reconnaisse. Faut que je regarde s'il y a pas un profil qui traîne quelque part sur Internet. Bon, je corrige les aberrations chromatiques, mon petit réglage de base. Je vois que je récupère des détails un peu dans les arbres. Et la première chose que je vais faire, je sais que c'est ça que je vais faire parce que je vais taper dans les couleurs comme un gros malade. Je vais mettre non pas mon virage bleu léger d'habitude, je vais pas mettre le virage bleu de bourrin, je vais mettre le virage bleu d'apocalypse nucléaire. Bon, et je vais compenser ça avec la température de couleur. Et déjà, juste regarder l'avant après, déjà c'est un peu plus coloré. Bon, maintenant ce que je vais faire, comme je suis un gros bourrin, ouais, vibrance au taquet, et je vais moins corriger la balance des blancs, parce que j'ai trop corrigé la balance des blancs. Voilà. Donc j'ai mes arbres nus, j'ai mes arbres colorés, et j'aime mieux ça. Voilà. On y croit un peu plus, même si clairement c'est des arbres de Tchernobyl. Bon, qu'est-ce qu'on va encore faire là-dessus? Non, ça c'est moche. Ah, je sais. On va tricher sur les teintes. Alors, je vais dans mon onglet teintes, et voyons voir. Si les oranges, je les tire vers les rouges, et les jaunes, je les tire vers les verts. Voilà, nickel. J'ai des arbres rouges, j'ai des arbres verts, je suis bienvenu au Canada. C'est l'été indien au Canada. Est-ce que je corrige quelque chose là? Genre la vignette. Non, on va pas corriger la vignette. On va peut-être. Alors là, ça va être difficile de trouver vraiment la balance qui me plaît, mais je crois que là, on n'en est pas très loin. Et voilà. Je crois que pour cette photo, j'ai fait le tour. C'était rapide. On va regarder un avant-après. Et on est passé d'une forêt morte d'hiver à un automne au Canada. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je crois. Est-ce que j'ai quelque chose à dire encore sur cette photo? Oui, éventuellement. Je vais peut-être vous dire que cette photo, je l'ai faite au nadir, comme je fais en fait souvent des photos au nadir. Quand je vous ai montré le cimetière militaire, c'était aussi au nadir. Et finalement, ce que j'aime bien dans les photos vues du ciel, c'est pas forcément de voir quelque chose comme on le verrait en avion, mais c'est ce point de vue qui est un peu différent, et même si on voit tout de suite que c'est une forêt, c'est quelque chose de purement graphique. C'est, encore une fois, non figuratif. Le but, c'est pas de montrer des arbres, c'est de montrer des taches de couleurs. Et c'était le but de cette photo, d'où le fait que je m'autorise à autant saturer les couleurs et à autant faire des conneries avec, parce que le but n'est pas d'avoir quelque chose de réaliste, le but est juste d'avoir des taches de couleurs. Je vais pas appeler ça de l'impressionnisme. Non, c'est pas de l'impressionnisme. Mais l'idée, c'est ouais, des taches de couleurs pour le côté. Voilà, c'est tout. C'était pour le délire, on va dire. Voilà. Bon, sur ce, c'était Arnaud Thierry et aujourd'hui, c'était Lightroom. Et moi, je vous dis à la voyure.